Ministère du Tourisme te gen yon stratégie de développement global pou peyi an. Côté nous te gen des zones ciblées et Jacmel c'était yon nan zone ciblée yo. Côte de Fer c'était en l'autre zone ciblée. Ilavache c'était en l'autre zone ciblée. Nous avons gardé ensemble deux zones ça yo, yo regroupé le Grand Sud et qui te rentré dans plan stratégique de développement ministère là en zone intégration touristique régionale. Côté Jacmel son c'était un produit culturel, nous connaissons la gain puis bel carnaval. C'est la gain en pile artisan papier mâché. Nous te gain Côte de Fer côté c'est là nous ka dit gain plus belle plage pays avec plus de 26 km de plage en ligne droite de sable blanc. Nous gain Lavage qui sont îlets qui gagne tout un potentiel pour développer un tourisme écotouristique et haut de gamme. Nous te joignons opportunité au niveau du ministère là pour nous te structurer tout investissement ça. Donc ou gagne un centre de convention, ou te gagne un bord de mer, ou te gagne un amphithéâtre, mais te gagne tout travail et de structuration, de mise en valeur de centre ça que nous te fait. Et c'est comme ça ministère du tourisme te joigne grâce à des fonds de Préto Caribé 89 millions de gourdes, donc m'a répété le 89 millions de gourdes pour y exécuter une série de projets et plusieurs projets. Et un projet c'était au niveau de bord de mer là, côté nous te mette des espaces coin poète, côté nous mette gym là pour que moun Jacmel yo te ka utiliser, parce que c'est pas seulement pour touristes que travail ça t'a fait, c'est pour population Jacmel là te ka utiliser. Et espace bord de mer là qui était complètement réaménagé, nous te aménagé espace et jeux pour enfants dans la cour New York. Nous connaît que la cour New York à l'époque était très connue et avec restauration, avec petit restaurant, nous était obligé de déplacer la cour New York là, t'a fait construction amphithéâtre là qui était exécuté par UCL, qui était exécuté en supervision par UCLBP. Et là nous t'ai reconstruit à peu près 8 restaurants et la zone après amphithéâtre là, et pour que nous t'ai ca reprend ambiance et là pour New York qui était gain à l'époque. Et n'a parlé tout de rue du commerce, nous gain rue du commerce, rue Sainte-Anne. Idée rue du commerce là, c'est côté gain paquet bâtiment et qui était délaissé. Et n'a parlé depuis les années 1800 le Jacques Mette qu'on exportait café. Et nous t'ai fait on chita parler avec tout propriétaire yo, et m'ai rencontré tout propriétaire yo sans exception, Bauduit, Vital, Boucan, pour nous ouais comment nous t'ai ca récupérer bâtiment ça yo, nous t'ai ca converti premier niveau en des attractions et touristiques, restaurants, galeries d'art, tea shop, et faire deuxième étage là tourner en boutique hôtel, donc des chambres d'hôtes. Gain des ruelles en escalier que nous réaménager complètement. La grande idée de développer infrastructure, pont, route et autres, et que bien entendu c'est pas le ministère du tourisme qui mène le projet ça yo, et bien sûr c'est les ministères concernés, que ce soit planification ou travaux publics, mais c'est l'idée déconcentrer tout et ville Jacmel là permet accès à d'autres zones stratégiques pour même développement Jacmel. On garder jeune nous yo. Si yo pa chita lon bon mu, si yo pa chita lon ti place tout que nous rénover en pile place, yo pa gen l'autre côté pour yo rete, pour yo ka faire et culture physique, pour yo ka amuser yo, pour yo ka et faire des journées récréatives. Gen tout baï ça au constate permet tout faire. Donc c'est pour ça que gen stade qui construit à travers pays hein, et Jacmel te gen opportunité pour joindre de là-dedans yo. L'a regardé marché Jacmel là que nous retirer de centre de cœur Jacmel là et qui était en face cathédrale là. Et c'est ton marché sous tes gain ancienne image yo, toi tu prêt à tomber sous marché yo, et puis toute la rue Jacmel t'est chargé moun et qui t'a vend toute qualité et marchandise là qu'on y a. Une des de grands projets que Fonds Petro Caribé financé, et bien entendu que le fin financé parce que marché ça était gain temps construction sous ancien et administration hein, l'administration et pas nous en vini et yo finaliser marché ça. Donc c'est pour montrer nous tout que gain des continuités de projets qui pour faire quand même, parce que c'est pour le bienfait dont population et dont zone. Donc le nous déplacer marché ça, c'est permettre tout que ville Jacmel là qu'a plus libre de circulation
et qui permettent tout que les touristes qui déambulent dans le cœur de Jacmel, dans la ville de Jacmel. Donc, c'était toute idée de mettre en valeur Jacmel. Il y a toute une campagne, tout flyers et mettre en place, nous créer un bureau d'information dans cette historique-là, où il y a des guides, des brigadiers qui étaient identifiés sous tout parcours là pour assurer la sécurité dans cette historique-là. Et tout ça, Livigny était financé dans le fonds que yo t'ai transféré sous budget ministère du tourisme qui était des fonds et dont yo t'ai fait allocation pour ministère du tourisme à travers des résolutions de Petro Caribé et fonds total là c'était 89 millions de gourdes. Nous t'ai chita avec Ofnac pour te voir comment t'ai carré aménager piste existante là. Mais Ofnac t'ai fait nous connaître que t'ai gon problème au niveau de piste existante là pour ta gon on rallonge qui t'ai fait un prolongement de la piste vers le sud, donc vers montagne. Et montagne était trop près de piste pour nous amener son piste 1500 mètres, pour nous amener à 1700, 1800, pour nous recevoir des ATR, donc des avions de 19 places et même jusqu'à des avions de 60 places. C'était quand un aéroport catégorie 3C. Donc là, nous voyons qu'au niveau de montagne, on a un problème parce que ou gagner ou besoin espace pour avion qui atterrit ou besoin espace pour avion qui décoller et même si on pisse 1700 mètres ou besoin de 200 mètres des deux côtés puis des mètres de réserve pour si tu as un problème si tu as un accident quelconque li on l'autre rallonge encore plus faut que largeur là au moins 30 à 35 mètres et faut tout espace là et sécurisé. Donc c'était quand même des travaux assez importants et le fait que te gen mon en fasio, il était difficile pour n'aller vers direction ça. Donc deuxième ça que t'ai envisagé c'est direction vers la mer là. Mais qui ça nous vient réaliser leur étude là t'avancer c'est que au niveau de la mer tout espace après route là est construit. Donc, il faut faire premièrement une expropriation complète. Pas de chiffre en tête, mais c'était des centaines d'hectares. Parce que, pas oublier que même si on a une piste ou 35 ou 40 mètres de largeur, il faut qu'il y ait 10 mètres sur chaque côté au niveau sécuritaire. Pour que, et faut périmètre là complètement et fermé. Pour pas avoir une bête qui peut entrer. Parce qu'on a parlé d'un aéroport international. Le ministre du Tourisme a toujours cherché pour l'aéroport. Libral toujours les ports, là toujours les routes d'accès parce que sous grand aéroport gain route ou gain port ou gon destination touristique. Sous grand aéroport gain route ou gain port, investisseurs a venir la caillou mettre l'hôtel yo. Donc c'est son bataille que m'a toujours mené dans toute destination yo et nous quand même parler de la vache, nous ca parler de les cailles jodiens qui pral gain aéroport. Donc gardez cap haïtien jodiens côté aéroport permettre que plus visiteurs viennent dans zone là